il y a quelques instants à peine, le Premier ministre a écarté définitivement les revendications du Front de libération du Québec. Fixant un ultimatum aux ravisseurs, il leur a accordé un délai final de 6 heures au terme duquel ils devront avoir accepté de libérer le diplomate britannique et le ministre du Travail. On se souviendra que les deux enlèvements, survenus à quelques jours d'intervalle, ont été suivis par la diffusion de communiqués dans lesquels les membres du FLQ réclament notamment la libération des prisonniers politiques actuellement détenus dans les pénitenciers canadiens. Notons que le gouvernement maintient qu'il n'existe au Canada aucun prisonnier politique. Bien que la majorité des Québécois interrogés au cours des derniers jours se soient déclarés en désaccord avec les moyens employés par le Front de libération du Québec, il semble que son message ait soulevé chez plusieurs un vent de sympathie. En effet, les nombreux appels recueillis par les tribunes radiophoniques montrent qu'une partie de la population approuve le message de dénonciation véhiculé par le FLQ à l'endroit des élites dirigeantes du pays. Enfin, avant de conclure ce bulletin d'information, déplaçons-nous de l'autre côté du globe, où dans quelques heures s'achèvera l'exposition universelle d'Osaka. Qualifié de franc succès par l'ensemble des participants venus de partout dans le monde, cet événement international aura permis aux peuples de la Terre de diffuser la quintessence de leurs cultures respectives dans une atmosphère de fraternité remarquable. Ce soir, en guise de conclusion à notre série de reportages sur Expo 70, Madeleine Saint-Laurent nous convie au pavillon du Japon. Regarde, c'est là. C'est ici, dans une salle de spectacle ultramoderne, que le visiteur découvre une facette méconnue de la culture japonaise traditionnelle, telle qu'incarnée par le spectacle no, une forme théâtrale héritée du samouraï. Dans le calme du Kagami-no-ma, entouré de ses assistants, l'acteur no revêt les traits d'une jeune femme exilée qui, après avoir tenté de noyer ses tourments dans un torrent impétueux, retrouve sa route grâce aux lueurs d'un brasier allumé en lettres de feu par son amant guerrier.
Yeah.